Zelda no Densetsu, Breath of the Wild, Zenkai Madewa. Est-ce que vous pourriez me donner des cœurs antiques? J'aimerais beaucoup avoir les jambières archéoniques. What? Mais... trop mignon! Regardez ça. Regardez. Oh mon dieu. Il a l'air superbe. Regardez la glace et tout. La couleur est belle, mais... ce truc là, là. Surtout que toi là, je peux... comment je fais après pour te récupérer? Je me jette dans le vide, quoi. Si jamais c'est un truc intéressant, comment je fais? Ah, je peux faire un autre escalier peut-être. Pardonne-moi, Link. Tout ça pour un coffre? Pourquoi quelque chose me dit que ce truc-là va me tomber sur la tête? Pourquoi je le sens venir gros comme une maison? Pourquoi? Suis-je enfermée? Je suis enfermée. C'est très bien, tout le monde cherche à me tuer ou à m'enfermer dans ce monde de fous. Eh ben, je n'attendais pas moins de Link. Vous avez vu tout ce qu'il a défoncé à lui tout seul? Ce mec est parfait. Tu ne peux plus reculer à présent. Laisse parler ton cœur et mets-toi en route. Mais je suis déjà en route depuis plusieurs jours, madame. Soshite, watashi tachi no dai bouken wa ima tsuzuite iru. Il pleut. Rien de mieux pour commencer un épisode. Ma foi. Les aléas météorologiques dans ce jeu. Bref, aujourd'hui les amis, nous avons beaucoup de choses à faire, comme d'habitude, enfin, ça dépend des jours. Mais là, depuis quelques jours, étant donné que j'explore beaucoup autour de moi et sur la carte, nous avons beaucoup de choses à faire. J'ai notamment débloqué cette partie de la carte, ainsi que... quelle autre partie j'ai débloqué? Ici, cette partie-là. Vous voyez qu'il y a énormément, j'ai trouvé énormément de sanctuaires. J'ai laissé Epona là-bas, la pauvre, elle est à l'autre bout de la carte. Mais du coup, aujourd'hui, on va mettre les sanctuaires un petit peu de côté. J'aimerais qu'on s'occupe d'abord des missions annexes, des petites quêtes annexes qui sont disponibles. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup à faire, mais j'aimerais qu'on s'en occupe vu que la dernière fois, on n'a pas pu. Ici, j'ai réussi à voir ces Rordrak, je crois, si je ne me trompe guère. J'ai réussi à avoir Rordrak 3 fois, j'ai réussi à farmer 3 écailles, je sais pas encore trop comment j'ai fait mais j'ai réussi. Donc là pareil, on aura une écaille à déposer à la source, je crois, de la force ou du courage, je sais plus quel dragon fait quoi. Mais du coup on aura une écaille à s'occuper, donc c'est très bien. Ce que j'aimerais qu'on fasse tout de suite, c'est que j'ai trouvé une fontaine des fées qui s'avérerait être plutôt une fontaine de la divinité Ekine, qui pourrait faire ressusciter nos chevaux si jamais ils meurent en combat par inadvertance. Du coup, ça m'arrange bien, parce que j'ai toujours très peur d'emmener mes chevaux en exploration au cas où il y aurait des monstres ou des gardiens qui me tombent sur le cul. Du coup, j'aimerais beaucoup qu'on s'y rende tout de suite avec mon nouveau cheval, Kelpie. Oui, je veux emmener Kelpie. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce cheval. Il a une petite histoire, ce cheval. Oui, ta 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 ta. J'aimerais parler de Kelpie, s'il vous plaît. Ok. Voilà, Kelpie. Kelpie qui est le nom d'un cheval mythologique celtique. Ou gallois, je sais plus. Enfin, on reste toujours dans la même lignée qu'Epona et ses fils. Donc Kelpie. Et ce cheval, ce qui s'est passé en fait, c'est que t'es... mange, Kelpie. Voilà. Oh non, tu l'as pas eu. Mange, vas-y. Bah, Kelpie, mange.
pour toi. T'en veux pas? Oh le Colpi, mange. Mange, mange. Bah, me fais la tête. Colpi. Ah, quand même. Oui, ma chérie. Du coup, ce que je disais, c'est que Colpi a une petite histoire. Vous voyez, c'est un cheval, entre guillemets, pas exceptionnel, c'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas très beau au niveau de la robe. Il n'a également que très peu de galop. Regardez, que deux. Il n'en a que deux. Mais ça m'est égal. Tout simplement parce que ce qui s'est passé, c'était j'étais du côté de la tour d'Hyrule, je crois. Comment ça s'appelle? La tour de la plaine. Voilà. J'étais de ce côté-là pour aller farmer du gardien. Et j'ai été embêtée par un bokoblin qui était à cheval, qui était donc sur Colpi. Et au début, je me suis dit, bon, bah, je vais l'ignorer, j'en ai rien à faire, c'est pas bien grave. Et puis, j'ai entendu le cheval hennir, comme si on lui faisait du mal. Et à partir de ce moment-là, ça m'a pas plu. Du coup, j'ai essayé de défoncer le bokoblin, qui bougeait beaucoup à cheval. J'ai utilisé une flèche de glace pour essayer de le geler et de le faire descendre de Colpi. Seulement, je l'ai gelé en même temps, le cheval. Et j'ai gelé en même temps Colpi. Et à partir de ce moment-là, je me suis sentie tellement conne et... Et je suis pas du bon côté, demi-tour, Colpi. Je me suis sentie tellement conne et tellement désolée que je suis repartie à la recherche du cheval une fois qu'il a été libéré de sa carapace de glace. Et quand je m'en suis approchée, il s'est pas enfui, il a pas bougé. Et j'ai sorti une pomme et il l'a mangée tout de suite. À partir de ce moment-là, je me suis vachement attachée au cheval et j'ai dit allez, allez toi c'est bon, je te prends, tu viens avec moi, je vais t'emmener au centre équestre et tu vas avoir un nom et tu vas être mon cheval. Bref, tout ça pour dire que je ne choisis pas forcément mes chevaux par la couleur de leur robe ou leur magnificence. Je choisis aussi les chevaux pour le coup de cœur que je peux avoir. Et il se trouve que j'ai eu un coup de cœur pour Colpi, pour cette petite histoire qui peut paraître complètement stupide. Mais voilà, du coup je tiens beaucoup à Colpi, qui est quand même drôlement jolie à mes yeux. Donc je suis contente de vous le présenter. Et il m'emmène aujourd'hui à la source de la fée. Tout va bien. Il y a plein de papillons. Alors maintenant, combien elle va me demander, elle? Oui, je suis un homme. Oui, jeune homme. Écoute ma requête, je t'écoute. Mon nom est Marion. Dis-moi, t'es-tu déjà retrouvée affligée d'une tristesse inconsolable suite à la perte de ton cheval adoré? Si je pouvais retrouver tous mes pouvoirs, je pourrais faire quelque chose pour remédier à ce genre de situation. Alors je t'en prie, offre-moi quelques rubis. 1000 rubis devraient suffire, vite. Lorsque j'aurai retrouvé toutes mes forces, comme tu es un amoureux des chevaux, je pourrais t'être utile. Allez, je sais que tu as des rubis, vite, donne-moi. Pour retrouver toutes mes forces, il me faut 1000 rubis, vas-y. Merci, j'en avais besoin. Oui, tu sens une puissance débordante, etc., etc. Oh. Bien. Je sais pas quoi en penser. Ouh, je sais pas quoi en penser. Ça fait du bien de prendre l'air un peu. De prendre un peu l'air. Je commençais à avoir les os en compote là-dedans. C'est toi qui m'as libéré? Oui. Je me présente, je m'appelle Marion. Je suis la divinité des chevaux de ce monde. Et puisque tu m'as libéré, je me dois de te récompenser. Voyons voir. Et si je te dévorais tout cru? Je plaisante, voyons. Voilà ce que je te propose. Si jamais un cheval que tu chéris venait à trépasser, je lui rendrais la vie. Bien sûr, s'il s'avérait que tu avais toi-même provoqué sa mort, je te châtierais sans pitié. Je plaisante, bien sûr. Voyons un peu. Ah, je suis heureux de constater que tu prends grand soin de tes amis équins. Ils sont tous heureux et en bonne santé. Et le lien qui les unit à toi est tout à fait merveilleux. Puissiez-vous passer encore de longues années ensemble. Vous entendez, c'est le chant des poneys? Oh,
Kelpi, tu entends ça? T'entends ça, mon beau? Waouh! Oh, la nostalgie qui nous frappe! Du coup, ça c'est fait. C'est ce que je voulais faire, donc je suis contente. Par contre, je dois avouer que... que cette divinité est assez bizarre. On va reposer Kelpi au centre équestre. Et on va s'occuper de faire les missions annexes. Allez Kelpi, plus vite Kelpi! Ah, je vais pouvoir trouver le coffre de l'harnachement antique bientôt, vu que c'est à côté de la fontaine de l'esprit des chevaux qu'on vient de voir. On pourra peut-être s'en occuper tout à l'heure, je sais comment faire pour trouver des coffres plus facilement. Par contre, il me semblait qu'aux alentours de ce centre équestre, il y avait quelque chose à faire. Ah oui, j'aimerais beaucoup qu'on s'occupe du goron. On va s'occuper du goron en premier. Les bandits de la plaine, je crois que c'est ça, relais des alpages. Prairie de Firon est connue pour ses hordes de chevaux sauvages et mis à mal par un gang de bandits à cheval aux grandes dames de Surossé. Si quelqu'un pouvait chasser le gang de la prairie, Surossé pourrait enfin retrouver le sourire. On va s'en occuper tout de suite, parce qu'ils sont juste là en fait. Vous voyez là? J'espère que Kelpi est prêt. Tu es prêt Kelpi? C'est le moment. Oh! Kelpi, ça va? Kelpi! Oh! Bravo! Bravo mon beau! Dégage! Bravo Kelpi! Kelpi! Y'a là mon beau! Allez! Oh! Je vais vous tuer! Je vais descendre là! Touche pas à mon cheval! Descends! Viens te battre! Connard! Je t'ai pas vu, toi, tu crois là? Descends! Vous prenez pour qui là? Kelpi! Ça va, ma chérie? Enfin, mon chéri, tu es censé être un mâle? Oh mon beau, tu as été bien courageux. Oh, je suis fière de toi. Bravo, bravo, bravo. Je suis désolée, tu t'es pris une flèche. Pour ça, tu vas aller te reposer. Oh, je suis fière de toi, mon beau cheval. C'est très très bien. Voilà. Kelpi. Ah ben voilà. Oh, je suis fière de toi, bravo. Alors, qui est le monsieur à qui... Toi, tu veux quelque chose aussi, tu veux pas combattre, mais faire une mission, je sais plus quoi. Une course à cheval. C'est vrai, tu as chassé les bandits de la plaine. Tiens, c'est bien le moins que je puisse faire. Oh, d'accord. Les chevaux, on s'en fout. Essaie de leur en donner, tu verras. Mais oui, une carotte, mais je suis complètement débile. Mais je suis complètement débile. Mais évidemment! Ah ben voilà! Toi, tu préfères les carottes? Ah, oh, mon chouchou! Ok. Ah, je suis contente. Mission suivante. Les gorons. Les gorons. Le goron, en plus, ça tombe bien. Il va pas tarder à faire nuit. Donc, on va pouvoir aller les voir. C'est parti. On va te changer avant que tu me crames, amour. Il y a du bois dessus? En bois léger. D'accord. Ben, équipe-toi de celui-là que j'aime beaucoup. De... ça. Non, je crois qu'il y a une... Non, c'est bon. C'est bon, je crame plus. Nickel. Redescendons donc voir les gorons. Travaille à la mine, histoire qu'on puisse engager chantier. Yes. Je prends tout.
J'en profite, parce que si vous vous souvenez bien du côté du relais, ça c'est pas le centre équestre, c'est le relais, qu'il y a du côté des piafs, un monsieur me demande de faire un curry, et il lui faut des épices gourons. Que je viens d'acheter du coup ici. Je pensais que ça revenait à chaque lune de sang, mais peut-être pas. Du coup, quand j'irai chez les piafs, il faudra également que j'achète des boisseaux de blé et des cannes à sucre, qui sont durs à trouver et dont je me sers énormément pour faire des gâteaux. Oh, en parlant de gâteaux, je vous ai pas montré encore mes petites séances de cuisine. Je me suis encore éclatée comme une folle, j'ai regardé les recettes sur internet pour en faire plein. Du coup, j'ai un chutney, j'ai des steaks de venaison, j'ai un sauté de fruits de la forêt, un riz au curry, un œuf au plat au riz. J'ai fait un gâteau de monstre avec des extraits de monstres que me donne Kilton. D'ailleurs, qu'il faudra que je retourne en acheter. C'est trop joli! C'est trop joli! Il est trop joli ce gâteau! Un gâteau aux fruits, un riz à la venaison, un curry, un velouté de cœur, crêpes, crêpes au baies, tarte aux pommes, tourte à la viande, tarte aux œufs, une omelette nature max, des brochettes de poisson max, un élixir féerique, un flan, des pommes au four. Quand je vous dis que je fais n'importe quoi, je m'éclate à faire tout et n'importe quoi en ce moment. Gâteau à la carotte, je me suis fait un lait chaud aussi. C'est trop génial. J'ai mes crêpes au miel. En fait, j'essaie de virer au fur et à mesure ce qui est assez classique en plat, que j'ai déjà fait plusieurs fois. Surtout ce qui donne des capacités genre anti-froid, anti-feu, etc. pour faire à la place des élixirs. Du coup, j'essaie de me forcer à faire ça et je garde un petit peu les plats que je trouve jolis que je pourrais donner à Lick si jamais il a des petits problèmes. Voilà, c'est tout, c'est complètement stupide, mais j'aime faire de la cuisine dans Breath of the Wild. Oh, je suis contente. Génial. Je vais pouvoir améliorer l'armure de feu. Depuis le temps que j'en cherche. Yosh, baby. Il n'y en a pas d'autres? Oh, je suis contente. Faire des épisodes de Breath of the Wild avec vous, ça me porte chance. C'est génial. Allez. Ah, ben voilà. Nickel Chrome, salut les gens. Oh mon dieu, tu veux pas me laisser tranquille pendant que je me repose? Bon, quoi? T'es qui? Chantier. J'aimerais bien que tu t'en souviennes. Je travaille comme mineur, comme tu peux le voir. Tous les jours, je mine, mais j'en peux plus de ce travail. Je crois que je suis pas fait pour travailler ici. Tu connaîtrais pas un autre emploi dans lequel je pourrais mettre ma force à contribution? Oh que si! Hein? Tu en connais un? Où ça? Dis-moi en plus. Au village de Zéro. Au village de Zéro? Jamais entendu parler? Dis-moi en plus. Ah oui, Akala, au village de Zéro. On a besoin de moi là-bas? Akala, c'est pas très loin d'ici. Ah, allez, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. Yes! Merci de m'avoir parlé de ce village. Je pars de ce pas avec Mortier. C'est décidé. Mortier, on y va! Quoi? Yes, baby! C'est trop génial! Et toi, tu continues à travailler alors qu'il fait nuit, mais il faut vous arrêter, monsieur, enfin. Est-ce que le chef, il dort toujours? Ah, mais c'est le chef qui travaille! D'accord, toi, je t'avais encore jamais parlé. C'est le chef, c'est ça, il travaille la nuit. Ah, trop drôle! Bref, c'est cool! On a réussi! On va aller tout de suite vérifier qu'il est bien arrivé au village de Zéro. Le village de Zéro, ici. C'est parti. Je vais te rhabiller.
Il n'y a pas à dire, je te préfère dans ta tunique bleue, chérie. Voilà, c'est parfait. Et c'est par là-bas. C'est parti, mon kiki. Oh, Kilton, c'est vrai. On va aller le voir. Si jamais il a de nouveau des extraits de monstres, j'en achèterai bien. Pour refaire des gâteaux aux monstres que je trouve vraiment très jolis esthétiquement parlant. Comme ça, je vous le montre un petit peu. Je sais pas si on était déjà allés ensemble le voir. Regardez ça. J'aime beaucoup ça, montgolfière. Salut! Je connais cette odeur, hein, Moblin, à moins que... Ouah! C'est toi! Bonsoir! Je peux t'aider? Ton compte s'élève à 232 strums. Quel objet de monstre vas-tu acheter? Et du coup, c'est chez lui que j'ai acheté les différents masques dont je vous avais parlé la dernière fois, ainsi que la selle et le filet. Il n'a rien de plus, à part les extraits de monstres que je vais acheter, du coup, parce que je les aime bien. Yep! Give it to me! Non! C'est tout! Au revoir! A bientôt et que la nuit soit belle! Mais merci bien! Bye bye! Ah bah si, regardez! Bonjour! Ah ah! Ah, fantastique! Bon, ça veut dire que je vais pouvoir farmer du gardien, c'est toujours ça de prix. Village 2-0. Nous y voici, nous y voilà. Hey! Salut! Merci pour les gorons que tu m'as envoyés. On peut pas se tromper avec les gorons, ils ont une force inégalable. Avec eux, les rochers font pas les malins. Chantier et Mortier ont rejoint la famille maintenant. Avec des noms pareils, ils étaient prédisposés. Mortier a ouvert un commerce de pierres précieuses avec tout ce qu'il a trouvé en brisant les rochers. Tu devrais passer lui faire un coucou. Bien, et maintenant? Oui. Peut pas faire venir d'autres ouvriers si on n'a pas de maison pour eux. Tu veux bien m'apporter 20 fagots de bois? Ça devrait suffire comme complément. Avec ça, on pourra commencer les choses sérieuses. Ah bah si, j'en ai 59, t'en fous pas de ma gueule. Merci, t'as apporté les 20 fagots de bois? Les voilà. Tu veux bien me les donner? Vas-y. C'est vrai, tu me sauves la vie. Bien, et maintenant? Vas-y. Me tue à la tâche sans relâche depuis des lustres et mon bleu de travail est pas loin de me lâcher. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui saurait me confectionner une belle tenue toute neuve? Confectionner? Les guerrières de la tribu Gerudo sont habiles de leurs mains, paraît-il. Il y en a peut-être une qui sait coudre. Ce serait vraiment une sacrée benne si tu trouvais quelqu'un comme ça. Oh! Mais il y a une contrainte. Faut que son nom se termine par Yé. C'est la politique de Serracier et associé. Si tu tombes sur cette personne providentielle, envoie-la au village de zéro, d'accord? Ok. Pas de soucis. Oui, je t'entends, lune de sang. Voilà le fameux stand. Bonjour. Oui, c'est l'ami de chantier, c'est l'ami de mon grand frère. Tu veux quelque chose? On parle un peu? Tac, de quoi tu veux parler? C'est comment ici? Il y a du minerai dans les rochers que mon frère il casse, alors moi j'ai décidé de vendre les fragments tout seul. Tu sais pas trop pourquoi il y en a plein, c'est parce que la montagne de la mort elle est tout près? En tout cas, ils sont tout juste sortis de la roche et encore chaud. Achète-moi plein, allez! Tu veux encore parler? T'aimes zéro? Breu, il fait si froid ici. C'est peut-être parce que j'étais habituée à avoir tout le temps trop chaud au village Goron. Tu veux encore parler? Où est chantier? Mon grand frère, il doit être pas loin. Il est vachement plus content que quand on était à la mine du sud. Et puis, il s'est fait féliciter parce qu'il va vite casser. Il va vite pour casser les rochers. Je pense qu'il est heureux. Au revoir. Salut, salut! J'aime pas la lune de son chantier. Parlons. Oh. Ah mais qui voilà. Comme tu peux le voir, je suis très occupée. Groseillier me félicite pour chaque rocher que je détruis. Et je peux même trouver un peu de minerai. Ça a permis à mon petit frère Mortier d'ouvrir sa propre boutique de minerai. Tu devrais aller le voir. Eh ben c'est cool, je suis contente. Du coup... Allez, vas-y. Le bruit m'insupporte. Mata. Mata. Akatsuki no toki ga kimasu. Tinku. Kiyotsukete. Je la connais par cœur à force. C'est bon, t'as fini, t'es content, Ganon? Je peux aller continuer mes affaires? Bien.